Isila Sushelheim be Winja Lausha. Sushbugistar Karma! Manuai Stakar, Supima Baya Madi. Ah bah je pensais que ce serait une nouvelle introduction mais même pas. Eh bien salut à toutes et tous les mêmes compagnies, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Très content de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de notre incroyable aventure sur Far Cry Primal. Et oui, voilà, on est de retour évidemment pour vous jouer de mauvais tours. Je vous rappelle que dans le dernier épisode c'est complètement dingue puisqu'on a fait l'avant-dernier boss ainsi je puis dire. Et justement il va falloir aider Da à survivre à la colère du comité d'accueil Wenja. Et Da, on l'a capturé. Voilà, Da c'est un méchant, d'accord. On l'avait capturé dans le dernier épisode ici. Et là on va devoir l'aider contre les nôtres, parce que les nôtres lui veulent du mal. Va falloir l'aider, notre ennemi. Va chercher l'erreur mon poteau, je ne comprends pas. Voilà, je ne comprends pas. Ceci étant dit, ceci étant fait, 85% de la fin du jeu, c'est incroyable. C'est aujourd'hui le dernier épisode, voilà. Non pas du tout, évidemment, je plaisante. Mais quand même, on s'en rapproche, donc j'espère que vous allez bien, installez-vous confortablement, prenez à boire et à manger. L'épisode sera pas forcément long parce que je n'ai pas le time tout simplement et que ça m'embête un petit peu d'ailleurs parce que j'ai vraiment envie de jouer là, hein. J'ai vraiment envie de jouer mais je n'ai pas le time. Dommage que les week-ends ne durent pas 7 jours. Voilà, regardez-moi ce beau lever de soleil. Regardez-moi notre cher ami Dantza. Bon, on lui fait un petit câlin avec sa barbichette, regardez j'ai exactement la même. C'est incroyable, un très beau book. J'ai les mêmes dents également d'ailleurs, pas du tout, c'est une catastrophe. On va récupérer un petit peu les loots ici, voilà, tac 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 tac. Est-ce qu'on a des loots rares là, genre peau de dôle, non, peau de poisson croc, peau de singe. Et ce sera déjà pas mal évidemment, on a du bois dur, c'est bon le bois dur, on se refait des sagets, on se refait des bombes à piquant. On a tout au max ici, à pas, piège, gourdin, tout est au max, les flèches tout est au max. Ça ne va pas durer évidemment longtemps, mais ce n'est pas grave. Voilà, en termes de compétences, bon bah. Voilà, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Ah, compétence Udam, tiens. Ah, confectionner deux bombes au lieu d'une. Ouais, superbe, c'est génial. C'est vraiment, mais on est vraiment au taquet, ça ne sert plus à rien. Bref, les amis, on va donc. Attendez, c'est quoi l'événement? Tuer le chef des envahisseurs. Bougez pas, on va commencer cet épisode tel quel. Ça peut être plutôt pas mal. Alors, toi, par contre, non, c'est pas ça que je voulais faire. Je te renvoie. Alors là, je vais te renvoyer, mon gars. Et. Alors, bougez pas. Voilà. Il est où le chef des envahisseurs? Je ne sais pas. On va descendre. On va descendre et on va les descendre. Hein. Énorme. Énorme. Allez, hop. Ça se passe ici, bien sûr. Hop là, hein. Le chef, il doit être là. Même pas. Il est là, le chef. Eh bien, regardez, on va se faire un enchaînement. À la one again. Et voilà. Hop. Merci, bonsoir. C'était vraiment... Et en plus, on a récupéré des seins. Dessin d'abeilles, évidemment. Eh bien salut à toutes et à tous. On est parti donc. On va pouvoir remonter, hein, tout simplement, on a que ça à foutre. Et puis directement on va aider Da à survivre à la colère de nos copains. Voilà tout simplement. Hop, c'est par ici que ça se passe évidemment. Petite cascade. Le griffe grapping. On monte et on se régale. Est-ce qu'on va réussir à faire 30 épisodes? Telle est la question que je me pose. Va-t-on en faire plus? Va-t-on en faire moins? Ce qui est certain, c'est que j'ai adoré ce jeu du début jusqu'à la fin. Et ça, c'est beau. Paf! Impeccable. Oh non. Voilà. Est-ce que je peux récupérer ma saga éventuellement? Non. Je me suis fait arnaquer. C'est bon, je l'ai récupéré. Allez. On va monter par ici. Hop là, petit essaim d'abeille également. On adore ici choper les seins. Hop, ça c'est fait. Et nous sommes à 300 pas. 300 pas. Dirais-je même plus. De notre destination. Oula. Putain, mais on est en train de tuer tous nos ennemis. On va en aider un, je comprends pas. J'ai encore pas compris tout, tout à fait, mais c'est pas grave. Alors regarde. Voilà. Voilà, ils savent pas d'où ça vient. D'où vient le danger? D'où vient le danger? Il vient de là. Voilà. La mort vient du ciel. Hop. Il est où le cadavre? Là. Voilà, moi je vais récupérer ma saga quand même. Il a l'air d'avoir peur. Il a l'air d'avoir peur. À la one
Bébé. Paf dans la gorge. Allez, ciao. Ciao, bambino. Attendez, je me gratte le pied. Oh non, j'ai un caillou dans la chaussette. C'est terrible. Alors, il faut savoir aussi que mes épisodes qui sortent généralement en milieu de semaine, c'est que je les tourne le week-end. Bon, vous l'aurez compris, c'est le principe même d'ailleurs. En général, je tourne le week-end. Et en ce moment, les week-ends... Bon, vous avez... Vous l'aurez compris... Salut ! Vous l'aurez compris, l'avant-dernier épisode, dans quel état j'étais le week-end. Bon, pas de quoi être fier. Mais c'est... Voilà. Ça régale. Oh, on est mort comme une merde. J'adore. Ninja, la mort vient du ciel. Putain, ce jeu est incroyable. Reviens, reviens, reviens. Hop là. C'est bon. C'est bon, je ne m'en lasse pas. Je ne m'en lasse pas. Par contre, plus je m'en rapproche, plus je m'en éloigne hein. Ouais. Oh, attendez, il y a un lieu inconnu là-bas. Il y a un lieu inconnu, on y va rapidement. On va rappeler mon dent de sabre. Comme ça, je vais pouvoir le monter juste après. Ça ira plus vite. Hop, ça, ça dégage hein. Voilà. Viens voir. Corps égaré. Hop là, bah toi aussi t'es égaré. Voilà. Ça c'est fait. Oh le bug. Oh le bug. Allez, c'est parti. Vois sur ton chemin. On va suivre le chemin là. Si je puis dire. C'est pas vraiment le chemin mais bon. On va passer par là. Et on va aller voir Da. Bah les couilles pour eux, je suis un Da. Hop les... putain, par où on passe? Sérieusement, c'est terrible. Ah oui, on n'a pas le choix en fait là, tu peux pas monter en fait. Ok, d'accord. Faut vraiment suivre ce chemin. Hop, pas de problème à ce niveau là. J'espère que vous allez bien en tout cas. On est au top. On se régale. Merci encore à vous pour votre fidélité. J'aime énormément. J'aime énormément ce qui se passe. Hop là. Magnifique. Allez, hein, évite de te bloquer dans les roches. Non, c'est un bonheur, ouais, vraiment de. C'est un let's play qui fait pas beaucoup de vues. Allez, va te faire foutre là, ça sert à rien toi. C'est les let's play qui font pas beaucoup de vues, mais du coup, c'est vraiment les let's play bonheur quoi. C'est un régal, voilà, c'est. C'est un régal. Allez, tu viens. Tu viens, mon grand. Hop. D'ailleurs, bientôt il y aura une FAQ qui sortira sur le monde du transport. J'espère que cette vidéo vous intéressera. Allez, come on. Ça ira bien plus vite avec toi. Si tu me fais pas d'Etienne. D'ailleurs, on l'embrasse, Etienne, évidemment. Allez. Par ici. Aïe. Sous la flotte. Et c'est super joli ici. Oh là là, on court avec les animaux. Je suis Marcelino Palelino. Je parle avec les animaux. Il veut retrouver sa maman. Et on y est. Ça va partir en couille. Un accueil Wenja. Oula. Salut les frérots. Ah ouais, ils l'ont noyé. Noyez pas mon copain. Les Wenja veulent tuer Da, secourez-le. Non, 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 non. Hein. Non mon frérot, ça va bien se passer, t'inquiète. T'as cru que j'étais Mario là? T'as cru que j'étais Mario le plombier? Colmater les fuites. Ok. Et tu fais ça comment? Oh, tu fais ça comment frérot? C'est une dinguerie. Oh non. J'ai plongé. Oh je suis trop con, il y a un poisson croc qui va me croquer justement le fion. Aïe. Comment tu colmates? Comment on colmate? Placé. Ah simplement. Mais c'est complètement débile. Ah. Pardon, je me suis effrayé pour rien. Je me suis effrayé pour rien. J'ai crié pour rien, je suis mort. Hop. Voilà. On a vraiment le temps en plus, ça tombe super bien. On a mis MDR. Voilà. Le poisson croc, il va encore me croquer le fion. Aïe. Voilà. Oh c'est une dinguerie. Mais les Wenja ils vont m'en vouloir hein. Les Wenja ils vont m'en vouloir hein. Hop. On colmate. Moi j'adore mettre tout ça dans les trous là. C'est superbe. Et alors?
Et je fais, et je grimpe comment là? Eh, je grimpe comment là? Je grimpe comment là? Ah mais, ah mais c'est bon. Ah bah voilà. Let's go. Parlez à ta. Allez. Je voyais ça plus compliqué. J'ai eu un petit peu peur. C'est bon mon gars. Tout va bien. Winjai's the bottom. Sa Krauhadan da Winjai. Dai Squati Balhasa. Da Mari, quai da Schwadam Mari. Shaja Schwadam Guaifa. Gastia, Machasar. Voilà, c'était le petit sauvetage. Mais ça tombe super bien, ça s'appelle le syndrome du sauveur. Voilà. C'est absolument mon problème réel. Ah, c'est incroyable. On se retrouve trop. Ma Fadi et moi. Je sais plus comment il s'appelle le personnage principal. Ok, bah voilà, c'est fait. Voilà. On a sauvé. Elle était vraiment folle cette mission. Je sais pas ce que ça avait pensé, c'était vraiment la meilleure mission du jeu. Clairement. Voilà. Et puis du coup, maintenant il se passe quoi? Eh bien, on va retourner au village. On va parler à Da. À nouveau. On va peut-être pouvoir lui faire sa hutte. Ça peut-être temps, hein. Salut. Ouais. Bah, c'est bien. Franchement, c'était vraiment une mission de dingue. Vraiment, hein. Superbe. Là, tu sens que c'est la fin du jeu qui savait plus trop comment faire. Je suis un salaud. Charge mi-jaha. Nada Mariwalha Sarta Guarguay. Ok. Et du coup? Et du coup, je vais pouvoir faire ta hutte. Et j'ai ce qu'il faut pour faire la hutte. Est-ce qu'ils vont faire la fête, les gens autour de lui? Eh ben non, y'a personne. Évidemment, personne n'a envie de faire la... personne n'a envie de faire la fête ici. Au contraire, lui il a peur. Regarde là, le petit devant. Ah, c'est génial. Voilà. Première amélioration de fête, on accepte évidemment. Et on va peut-être pouvoir raméliorer à nouveau. Ah, il me faut de l'argile du nord, il m'en faut encore 5. Oh, tu rigoles. Non, non, attends, j'ai pas le temps là. J'ai pas le temps là, il me faut de l'argile du nord. Où c'est qu'on trouve l'argile du nord? Oh non, c'est chiant. Filtre. Oh merde. Comment faire? Argile du nord, bon déjà c'est dans le nord. Attends, il faut près d'un TP là. Ah, on peut pas voir ici comme ça l'argile du nord. Ok. Alors, on va faire ça comme ça. Hop, on va récupérer le bracelet Wenjaf qui est sur le chemin là. Ok. Et on va chercher de l'argile du nord. Rapidement. Il en faut 5, hein. C'est pas non plus incroyable. J'espère en trouver facile. Ça peut être cool. Ah bah il y en a là déjà, je crois. Attends-toi. Hop là. Et voilà. Deux coups de sagaie, terminé. L'ours des cavernes a pu. Voilà. L'argile du nord, là. 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 Mais attends. Mais là, il y a. Là. Oh, je suis complètement con ou. L'ours est dessus? Bah attendez, qu'est-ce que c'est que cette merde? Bon, bref, tant pis. Ce sera pas ici. Ok, c'est pas grave. C'est pas grave. On va passer par ici. Hop là. Hop. Hop. Voilà. Bah ouais, bah. On vous voit un peu trop facilement. Repos de la tombe oubliée. Là, il y a de l'argile. Ah! Pardon! Tu m'as fait trop peur aussi! C'est pas possible! Là. Mais ça. Je peux pas récupérer. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Sur la minimap, il y a un truc, je peux pas le récupérer. C'est une dinguerie. À moins que c'est en bas. Attendez. Je comprends pas là.
Là, je comprends. Ah, c'est là. Est-ce que c'est ça? Caillou noir du nord. Rien à voir. Allez, hein. Oh, bah alors là, on est dans la merde. Là, on est dans la merde. Je sais pas l'argile comment on. Mais allez! Fais un effort! Grimpe! Oh, c'est une dinguerie, je suis bloqué. C'est bon. Alors là, je me voyais bloqué tout le reste de l'épisode. Ah ouais, mais l'argile du nord, je sais pas où c'est moi. Hein. L'argile du nord, mais gros, qu'est-ce que tu me racontes? En fait, faut espérer en trouver dans les sacs. Cèdre du nord. Argile du nord! Voilà, bah, faut fouiller les sacs. Cherche pas. Cherche pas, faut fouiller les sacs. On va continuer par ici pour se choper donc le bracelet Wenja comme convenu. Voilà, par ici bien sûr. On récupère le bois tant qu'on y est. Voilà. Et le bracelet. Là. Voilà. Oh, c'était pas très compliqué hein. C'était pas très compliqué. Oula. Bon. Où c'est qu'il y aurait des trésors là? Là? Vas-y, on y va. Pas le choix hein, là, faut qu'on se chope les trésors là et puis qu'on puisse avoir encore. Il en faut encore 3 du coup. Argile du Nord. Allez, on espère. Argile du Nord. Ah, oh, je peux plus. Je peux pas récupérer. Ah, si, là, c'est bon. Là, il y a un bracelet Wenja et il y a des coffres. Ah, excusez-moi, ça m'éternue tout ça. Hop. Oh, c'est bon ça. Très dépaysant. Ça va les rouillas? Faites un petit feu. Vous avez bien raison. N'ayez pas peur de mon dent de sabre, il est très gentil, il mord pas en plus. Oula. Cherchez. Cèdre du Nord. Argile du Nord. C'est bon. Et il en faut encore un peu. Est-ce qu'il n'y en aurait pas ici? Cèdre du Nord. Argile du Nord. Et bien voilà. Et là normalement. Mince. Et là normalement, village. J'ai ce qu'il faut. Voilà. Allez, on va pouvoir améliorer au maximum la hutte de Da. Mais avant, au cas où on loupe quelque chose, on va quand même lui parler. Parce qu'a priori il faut lui parler. Et j'ai peur que ça casse une cinématique si on lui parle pas avant. Donc on va quand même lui parler pour voir ce qu'il va nous dire. Et puis voilà. Simplement voilà. Hop. Comment il va mon Da là? Hein? Kapalpur Dagwa. Uapa das Charshwar. Ha! Kapalpur! Galaita! Kapalpur sasa na kwaita haita charge tam han yakikadav udam chartasu majish yaka shas kanhi tuta shas kani waidam. J'ai mangé un croissant et maintenant il est absent. Non mais c'est une dinguerie. Vas-y, on lui améliore direct la hutte là, comme ça c'est fait. Oh là là, mais c'est crétin. Complètement fou ce mec. Voilà, bon, ça c'est fait. Comme ça tout le village, il est au maximum. Au max du max.
Et je peux même pas avoir la récompense suivante, il faut d'abord que je fasse sa mission. La poudre d'os, vous l'aurez compris, la poudre d'os juste ici. Trouvez la poudre d'os qui soulagera la craignance de Da. Ah là 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 là, je vous jure, c'est quand même une dinguerie quoi. Est-ce qu'il y a des objets de collection dans le coin? Ouais. Pas de ouf. Pas de ouf. On va se TP là. En vrai. Non, on va se TP là. Ah putain, là où il y a plein de trucs. Ah, vas-y, ça me saoule. Vas-y. On va se TP là et on va faire un petit tour pour récupérer les ressources. Et puis, au fur et à mesure, on va se rapprocher de cette fameuse mission. Et puis, voilà, hein, simplement. Il est où le lit? Là. Hop. Bonne nuit les petits. On va voir les points de compétences aussi, même si normalement il n'y a rien d'exceptionnel, rien d'incroyable. Ça doit être très agréable de dormir sous ce temps. En pleine nature, en plein air. Attention, je vais te prendre le rocher, la caméra là. Et voilà, on passe à travers les rochers, c'est magnifique. Toujours aussi bien fait, évidemment. Allez, hop là, je suis aigri. Et compétences, double bombe. Et après, c'est quoi? Résistance au corps à corps. Ah, ça c'est pas mal. Fronde précise. Oui, on s'en fout ça. Les effets durent 150. Ah, allez, c'est pas mal en vrai, mais double piège, double couteau. Bon, tout ça on s'en fout du coup. Ça, ça m'intéresse. Soin primitif. Gaissez plus une barre en vous soignant manuellement jusqu'à trop total. Bon, allez, hop. Pour ça, et puis après le prochain ce sera celui-là, et puis voilà. Hein. Allez, hein. Compétence, ouais. Allez. Sèche-cut. On va se récupérer les petits trésors de Kelops. Sous ce magnifique lever de soleil dans la gueule. Et là, si je fais un plongeon, tu crois que je meurs ou pas? À la web again! Magnifique! Oula! Ah! Ça fait peur un peu, hein? Ça fait peur un peu. En plus, il faut que je repasse dans l'eau. Un bonheur. C'est pas profond, hein, je m'arrache le sgeg. Allez. Je sens que le poisson croc est en train de me courser. Vite, vite, c'est bon. Et elle est où? Elle est au-dessus. Ah putain, mais c'est pas possible. Je vais péter un plomb. Ouais, ça me saoule. Bon, c'est pas grave, on peut monter par là facilement. Pas de problème à ce niveau-là. Oh non. Ah. Voilà. Caillou noir. Oh, ça c'est de l'argile ça. Allez, je reconnais. Oh, on en a plus besoin, mais c'est pas grave. Ok. Là. Je suis monté un petit peu trop haut, c'est mon problème. Voilà. Aïcha. Ok, next. Wesh, la prochaine est juste à côté. Tu rigoles ou quoi? Oh, oh, ils en ont rien à foutre quoi. 84 sur 100. Je termine pas le jeu tant qu'on n'a pas toutes les mains d'Aïcha. Hein. Elle est en haut là. Elle est en haut, cherche pas. C'est Genshin Impact ou... Salut toi. Salut beauté. Hello sista. On t'a déjà dit que t'étais une beauté numérique. Bracelet Wenja juste ici. Voilà, on enchaîne sa speedrun. Ah, sa speedrun. Speedrun. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut? Ah. Ah si, c'est bon. Hop. Oh là 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 là, quel homme. Et en plus on passe par un lieu inconnu, c'est cool. Alors, but du tour, des dentifrices. Pas mal, me diriez-vous. Pas mal. Oula. Pas top ça. Pas top. Pas top. Ah mais le bracelet il est dans l'eau en fait. Oh mais c'est pas possible. On se fout de ma gueule. Exprès je monte alors que c'est en bas. Oh. On a pas une mitraillette là? Allez les gars. Oh. Énorme. Aïe. Où est le bracelet? Ah ouais non mais là pour trouver le bracelet oh. Ah bah ouais, cherche pas, il doit être là. Non. Là. Là. Non. Je trouve le seum. Adieu. Ah! Attends. Mais qu'est-ce qu'il fait là, le jeu? Paf! Oh, je l'ai eu!
énorme. Alors, le bracelet Wenja. Eh ben, il est là. Voilà. Bon, tant qu'on y est. Il est où le poisson gros? Là. Déjà, je récupère ma sagaie. Parce qu'il faut pas non plus exagérer. Ça, c'est pas mal. Ensuite, on continue. On n'a pas le time ou quoi, là? On va descendre par ici. Ouais. Vas-y, j'ai la flemme. Je vais me TP ici parce que là... Vas-y, on est dans la flotte et tout. Ah, c'est bien mieux. Et là, au moins, regarde, là. Là, tu descends, là. Tranquille, tranquille. Eh bien, salut à toutes et à tous, la même compagnie. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Oh, mon Dieu. Bon, c'est pas grave. Allez, on recommence parce que là, cette fois, c'est la bonne. Tranquille. Tranquille. Voilà, ici, ça passe normalement. Voilà. T'as vu? Voilà. Nickel. Moi, je vous montre comment ça marche. En fait, ce que vous savez pas, c'est que j'étais développeur de jeux vidéo. Donc, je connais un peu les codes, me diriez-vous. Bonjour. Je peux te monter? Let's go! Éléphant, c'est un éléphant. Avec sa trompe, il fait du vent. Attrape les papillons dans ton filet. Celui qui en avait plus, il a gagné. Hop là. Voilà. On en a rien à péter. Ah ouh, tu te trompes dans la gueule. Voilà. Événement Wenja, escarmouche. Escarmouche. Rien à péter, moi. Pic du sabot fendu. Énorme. Alors. Totem. Eh, s'il est en haut, je pète mon crâne par contre. Non, c'est ici. Parfait. 9 sur 12. On y arrive. On y arrive. Et notre mission se passe juste ici. Sauf qu'on va passer par là encore. Et on a une main d'Aïcha qui nous attend un peu plus bas. Et oui, on va faire du suspense, les amis. Vous n'aviez quand même pas cru qu'on allait faire aujourd'hui, dans cet épisode-là, la mission quand même. Vous rigolez ou quoi? Déjà, j'ai pas le temps. Puis j'ai pas envie que ce soit le dernier épisode, merde. Non, non, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Peut-être va-t-on le faire dans cet épisode, la mission. Je ne sais pas, restez jusqu'au bout pour le savoir. Ben oui, parce que si vous quittez maintenant, ça ne sert plus à rien. Warpati. Je m'appelle Takar. Je m'appelle Takar. Et j'ai le syndrome du sauveur. Alors, presque raciste banalisé ce que je viens de faire, mais... Pas du tout, ne croyez pas. C'était vraiment l'accent préhistorique à la base, hein, que j'étais en train d'essayer d'imiter, bien sûr. Si vous comprenez mal et que vous voyez le mal partout, voilà quoi. Protéger les Wenja, mais rien à foutre là, putain. Ils savent se défendre tout seuls. Hein. Étant cornu. Oh, débrouillez-vous! Débrouillez-vous! Allez, win the game! Je rigole! Toujours là pour aider! Le syndrome du sauveur! Quand c'est pas pour les femmes. Hop là, toi c'est dans la gorge, même pas c'est dans le nez carrément. Allez, c'est bon ça. On continue. Allez, c'est parti. Embuscade. Warpati. Warpati. Allez, on y est. Voilà. Non mais c'est trop facile ce jeu. Hop. C'est trop facile ce jeu. Ils vont venir par où là maintenant? En plus, ils viennent toujours presque du même endroit, les cons, quoi. Alors là, t'attends derrière une pierre. Et hop! Paf! Surprise, motherfucker! Tac! Oh là! Oh, c'est trop... Bon, bah, je crois que c'est bon, hein. Je crois qu'on est pas trop mal, hein. Voilà. On est pas trop mal. Bon, à la base. On allait par là. D'accord. Donc on va y aller, tout simplement. On va y aller, on va se faire kiffer simplement. En tout cas, j'aime ce qui se passe. On est vraiment bien loin du premier épisode où on pouvait pas faire grand chose. Il est vrai. J'ai vu aussi vos réponses sur le prochain let's play qui vous intéresserait, et notamment de faire un let's play sur Green Hell. Donc je vous en remercie parce que c'est vraiment un jeu qui m'intéresse. J'ai déjà fait un let's play dessus. Beaucoup de choses ont changé, mais c'est vrai que le jeu est très compliqué. Ça n'a rien à voir, hein. C'est vraiment de la survie pure et dure. Mais en même temps, j'ai besoin de refaire ce jeu parce que c'est l'histoire qui me touche. Mais bref.
Ça c'est fait. Eh bien on a encore. Mais attends. Ouais, on enchaîne. On enchaîne les gars. Attendez. Tout est si proche aussi. Ce serait quand même con de devoir revenir ici juste pour ça. Donc bon. Allons-y gaiement. Oh c'est bon ça. Quel bonheur. Putain, quand je repense que le dernier épisode, ou je sais plus c'était lequel l'avant-dernier, j'avais oublié de filmer. Là je peux vous dire que je suis parano et que je check depuis tout à l'heure si j'enregistre bien. Mais et effectivement ça fait bel et bien une bonne demi-heure qu'on est ensemble, main dans la main. Après vous avez la main là où vous voulez après tout, hein. Faites ce que vous voulez. Qui suis-je finalement pour vous guider? Je ne sais pas. Camp de chasse, Laoka. Excusez-moi, il pleut. Je chante, j'en profite. Pas du tout. Dans ta gueule, toi. Qu'est-ce qu'il y a? Vous me faites plus peur, moi. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Bam! Dégage. C'est dommage, j'ai tiré à côté. Alors, ici. Merci, bonsoir. Ensuite, donc, c'est là qu'il va falloir qu'on aille. Et en même temps. Ah putain, il y a un totem là. Je suis à côté. C'est sur la butte du dessus. On va y aller. On va juste faire un mini détour. Encore, je suis pas sûr. Ah, compétence, on va pouvoir se. Ah non, pas encore, il en faut 4, dommage. Hein, parce que pour résister au corps à corps, c'est pas mal du tout. On va placer le totem, on va remonter et puis voilà, comme ça on va se rapprocher de l'objectif quoi. Hop. Je sais pas si j'ai encore des feuilles jaunes, donc je vais quand même en récupérer. Comme ça au moins on est tranquille. Oh toi. Voilà, toi tu touches pas à mon petit bichon. Tu touches pas à ma petite princesse. Tiens d'ailleurs toi tu vas manger. Voilà. Par contre j'espère que c'est pas trop chiant d'accès là. Je pense pas. Oh mince. Ok. Je pense qu'il faut grimper là. Oh là là c'est beau. Oh c'est sympa d'être dans le nord quand même. Et puis franchement je rappelle que j'ai bien l'impression que le nord est moins difficile que le sud. Et qu'on a fait le sud en premier donc forcément c'est un peu déséquilibré. Bon fallait le savoir aussi mais ouais je trouve que c'est quand même plus simple. Ah c'est pas là. Totem du chasseur Bayabar. Ah, ça se passe ici, messieurs, dames. Simplement. Voilà. Ça, c'est fait. 10 sur... Il en reste plus que 2. Il en reste plus que 2. C'est génial. Du coup, ben, on va pouvoir remonter ici. Oh! Ne serait-ce pas la dernière grotte? Ou l'avant-dernière grotte à explorer? Ça me semblerait bien, ouais. Ça m'en a tout l'air. Oh, c'est superbe. Oh c'est superbe, on pourra même pas le faire dans cet épisode en plus. Trop le seum, c'est pas grave. Et bah les amis, dans le prochain épisode on va explorer cette grotte et on va remonter pour la mission de Da. On va pouvoir faire la mission de Da. Ça va être bien sympa. En tout cas les amis, bah, j'espère que vous avez kiffé celui-ci. Si c'est le cas, et bah, je compte sur vous. Vous me mettez votre plus beau like évidemment, ça fait plaisir. Et puis nous on se retrouve très vite pour la suite de notre incroyable aventure évidemment sur Far Cry Primal. Voili voilou, je vous fais plein de bisous les amis. Et à très vite, c'était Mkolo, ciao tout le monde.